Stein geht. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer mes souhaits les plus chaleureux de bienvenue à la République de Guinée. À vous-même et à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne. Effectuant le déplacement de Conakry, en ce moment de vie de notre nation, je témoigne de l'intérêt que vous accordez aux relations qui lient les deux pays. Relations de fraternité et de solidarité qui puisent leurs racines à la fois dans la géographie, l'histoire, la culture, je dirais, d'une communauté de destin. Excellence, Monsieur le Président, dernières années, le système de gouvernance imposé à notre pays l'a mis en proie à des crises et des difficultés de tout ordre. Une situation qui a compromis dangereusement la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est pour cette raison que nous avons pris nos responsabilités. Arrêter le péril de bâtir le socle d'une vie nouvelle. Je vous donne, je peux vous assurer, Monsieur le Président, que nous n'avons aucune intention de garder le pouvoir. Notre seule mission est de réconcilier nos compatriotes et les mettre ensemble. Construire les fondations d'un État moderne, respectueux de la démocratie, de l'État de droit et de la gouvernance vertueuse. Dans cette optique, nous avons promulgué une charte de la transition dont les organes sont en voie d'être mis en place. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux et complexes. Notre détermination à réussir cette transition historique est tout aussi notre force. Je vous dis, Monsieur le Président, que nous sommes bien sûr conscients que les défis sont nombreux et complexes. Mais notre détermination à réussir cette mission historique est tout aussi forte que vous pouvez comprendre. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire ici que nous avons besoin de votre compréhension, de votre soutien et de votre accompagnement. Excellence, Monsieur le Président, votre visite d'amitié et de travail à Guinée est une opportunité de renforcer le lien et consolider notre coopération et l'intérêt de nos deux peuples frères. De notre point de vue, un des axes de partenariat qu'il faut renforcer demeure la question sécuritaire. Il nous faut davantage mutualiser nos ressources et accroître la synergie d'action face aux menaces sécuritaires multiples. J'ai fondé l'espoir que cette opportunité de concertation entre nos deux États soit une étape supplémentaire dans la coopération entre la République de Guinée et la Guinée-Bissau, pour le bonheur de nos deux pays. Je vous remercie.
président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Présent, je prends la parole à son Excellence général Oumarou Sissoko Mbalo, président de la République Guinée-Bissau, commandant suprême des armées. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers frères, colonel Doumbouya. Je ne peux pas imaginer la joie laquelle j'ai retrouvé le pays de maître, madame Mère, qui vient nous donner pour partir à Guinée-Bissau pour être maman de Nénégal et Chichou. Je montre le bien que j'ai. Moi, mon nom, c'est le peuple qui s'est oublié. Dans l'ensemble, on ne peut pas oublier le passé. On doit beaucoup la Guinée. Beaucoup la Guinée. La Guinée a donné son pays, ses hommes et la vie pour la libération. Aujourd'hui, j'ai fait exprès de venir avec le lieutenant général Fatih, ministre de la Défense, le général Diagne, et mon ambassadeur ici aussi, c'est Racine, et beaucoup des autres vice-présidents qui me disent on connaît mieux la Guinée que la Guinée. Et cette histoire, personne ne peut le faire. Et quand j'ai dit la Guinée-Bissau, j'ai rappelé le Kuala Lumpur. Quelle histoire! Ici, c'était comme une nave. Tous les oiseaux africains se posaient à Guinée. Et à ce moment, les Guinéens doivent connaître les vrais amis du peuple guinéen. C'est vrai que tous, pour l'état militaire, on parle pour l'état nécessaire, on parle. Mais, on a vu le peuple qui vient. Nous sommes sortis de joie. C'est comme une libération, une indépendance. Mais, je peux vous assurer que le peuple ici au Guinée est reconnaissant envers la Guinée. C'est vrai que c'est dommage, à un certain moment, on a eu quelques froideurs dans la relation. Mais moi, j'ai toujours gardé une chose, que la relation entre Guinée-Bissau et Guinée-Conakry dépasse mes deux présents. C'est pas mon cas, c'est l'histoire. Par exemple, la même Cabral, Guy Ouvera, et beaucoup des autres. Quand j'ai dit Guinée-Bissau, j'ai dit Cap Vert, et j'ai dit Angola. C'est interdit en Guinée-Bissau, en tant que je suis président, que quelqu'un demande une carte d'identité en Guinée-Bissau. Juste le fait de dire que je suis Guinée-Bissau, c'est déjà pour une carte d'identité. Nous sommes libres, indépendants aujourd'hui. Si on n'avait pas la Guinée-Bissau, je pense que le portrait aurait là-bas. Jusqu'à ce que le monde change. Cet égard, je pense qu'on doit privilégier toujours les relations entre le peuple et l'État, pas les hommes. Et là, vous avez un gros travail, beaucoup de travail. Un pays qui était divisé par question ethnique, religieux, ça c'est pas une nation. Une nation, c'est dans l'ensemble de tout le monde. Moi, je suis président de la République. Le ministre de la Défense ce matin, et le chef d'état-major Saint-Laurent, et les autres qui viennent avec moi, je ne viens pas chez moi. C'est ça une nation. Pendant mon campagne, les mandats nous prenaient des collats pour revenir dans le village de Paul pour dire aux députés, demander de voir pour notre, votre fils et notre nièce, neveu. Ouais, toi.
Il y a les villages peuples qui n'ont pas voté pour moi parce qu'ils sont fâchés, parce que les malins qui ont venu demander de voir pour moi. Il dit, mais comment ça? Lui, c'est un ballon. Il dit, non, on est venu demander pour Sissoko. Le ministre de la Défense, un jour, je lui ai dit que c'est quand je pars à la région, comment je peux découvrir ça, c'est un village peul, un village malin. Et le peuple m'appelle un ballon. Jamais m'appelle Sissoko. Et quand j'arrive Sissoko, Sissoko, j'ai dit, ça, c'est malin. C'est des hommes. C'est une nation. Et aujourd'hui, je pense que le président Conakry a retrouvé cet écrit très important. C'est que lui qui vous porte, c'est dans les drapeaux de la Guinée. C'est la unité nationale. Je dis toujours, les civils sont malins en militaire et intelligent. La différence entre être malin et intelligent, c'est le même. Moi, toujours, je reste militaire dans ma manière de penser. La Guinée-Bissau, les gens pensaient que c'était impossible. Je dis, quand on fait, c'est possible. J'ai ramené la Guinée-Bissau dans le Conseil de la Nation. ATT a fait une transition, il est parti. Il est revenu à la Guinée. Parce qu'il a fait un bon transition. Là, connaît les deux Guinées, ces pays, des informations, des pays de complot, malheureusement, les deux Guinées, quand j'ai dit ça, on s'est fait parler de la Guinée. C'est la construction des liens, tout ça. Là, c'est où écrivez. Dis-moi, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de choses plus importantes que la construction. Il n'y a pas de chef. Le chef aujourd'hui, c'est où? C'est toi. Tu dois savoir que vous avez des compagnons. Et le destin, un jour, j'ai dit au maréchal Al-Sissi, le ministre de la Défense était mon chef d'état-major quand j'étais jeune soldat. Il m'a dit qu'il n'a jamais été mon chef. Il m'a dit qu'il n'a jamais été mon chef, mais il était mon chef. Et le chef d'état-major aussi, il était mon chef parce que j'étais là. Il m'a dit, monsieur le président, depuis que tu es né, tu étais mon chef. Mais ça pour vous montrer que je n'ai pas rappelé le passé, j'ai dit non. Où vous étiez. Si vous ne m'avez pas donné l'expérience, la formation, aujourd'hui, thank you.
ça aujourd'hui beaucoup de pays. Présent la lettre.